Il y a la question de la pression évidemment hein, qui peut se poser sur la table avec un Xip qui est arrivé récemment dans le coaching staff de Mouse pour justement mieux les préparer à ces phases-là. Ça a marché, on l'a vu hier contre G2. Est-ce qu'on a enfin le déclic qui fait qu'on peut être à 100% sur scène? La réponse, on l'a dès maintenant avec ce pistol. Alors c'est une carte qui va pouvoir être extrêmement serrée. La dernière fois que les équipes se sont affrontées sur Overpass, c'était lors des Blast World Final. Et FaZe s'était imposé 13 à 11, un match très très serré. C'est eux qui avaient piqué Overpass justement. Allez, les mobs en terreau, on change les rôles exactement. Double flasher, Shui, Smoke Molo et Frozen qui apprend l'information directement dans le midi. Repère un premier adversaire, ça devrait générer une rotation. On voit un Rob qui est en train de refermer l'espace au niveau de la longue. Et bien le bomb Sita qui va être choisi pour les mobs. Torsi avec un P250 qui va essayer de trouver une ouverture. Il n'y aura pas de contact dans cette longue, mais il y aurait un Rob à trouver un peu plus loin vers le bomb site. On prend le temps pour l'instant et effectivement, on a un start phase qui pourrait être intéressant. Rain Frozen qui vont essayer de se bait, de jouer l'un pour l'autre. Des Mars qui continuent de progresser. Et un contact qui pourrait être proposé d'ici quelques petites secondes. Frozen qui est toujours en coup d'épaule. On y va à droite, on y revient à gauche. Attention à la surprise maintenant. Il ne le sait pas, il y a deux joueurs qui sont déjà passés. Il a été repéré, tente de reculer. Il y a ce bait justement avec Rain, on va essayer d'en profiter. Ça fonctionne sur un premier. Attention à Torzi qui ponctionne sur Frozen. Réponse sur Flush, très bien amené. On avait le setup, on a la bonne réaction. Accélération maintenant qui est tentée par les longues avec le stuff. On y met Molo, Fumier. Est-ce qu'on peut planter la bombe? Non. On a un bon crossfire, hein, c'est très compliqué. Alors certes ils ont le bomb site mais ils sont complètement encerclés. Allez objectif justement, planter la bombe. C'est fait, c'est l'essentiel. La reprise devrait être une formalité, c'est sécurisé par Bronchi. Le minimum est là pour les mobs, il fallait planter la bombe, c'était un 2 contre 5. Ils en sont plutôt bien. Et ouais, on a au moins cette bombe plantée, on aura cet excédent monétaire. Des FaZe, on a dit qu'ils étaient vraiment prêts à la réception 3A. La flash de Kerrigan aussi qui arrive au meilleur des moments pour aller servir Rain. Rain, on lui a tout mis sur un plateau. On a dit écoute, moi je suis Frozen, je te bait. Moi je suis Kerrigan, je te mets la flash. On a fait en sorte qu'il puisse briller. Rops propre comme d'habitude. Et Brokey, une sortie sans vergogne du fumigène. Mais attention à la suite. Allez, l'ambiance dans l'arène, on l'entend. Et comme je te dis, attention à la suite parce que qui dit bombe plantée dit rachat. Regardez la qualité du rachat derrière. On a pu dropper une AK à Shui. 3 Galil, Brolan qui sacrifie avec un Deagle. Il y a gros danger pour les FaZe, on le sait, la conséquence, perdre ce round serait dramatique, ça serait un hard reset. Ah, il ferait mal, hein. Il va falloir justement tenir, et on le sait, hein, il n'y aura aucune surprise pour FaZe, on sait pertinemment qu'il y a un achat en face. Ensuite, il y a certes son AK, donc il n'y aura pas de casque dessus. Il est éligible à du one tap des M4 proposés en face. Et bon, AK, 3 Galil, Deagle. Alors, du coup, on n'a pas énormément de stuff. On a 2 fumis, 2 flash. Il va falloir faire avec, jouer au skill, jouer à la surprise, peut-être en déclic. Et une défense de FaZe qui a commencé très bas. 3B, 2A, on n'a pas envie de s'aventurer plus loin. Ouais, c'est pas très problématique le fait de ne pas avoir trop de stuff, en tout cas dans ce qu'ils veulent faire, dans ce genre de round. On sait qu'on a, on a la K de Shui, on a la Galil, on va essayer de faire un round vraiment, on fait du ligne par ligne, on s'avance tranquillement et on commencera à se faire simplement après le premier contact. Donc je ne vois pas lancer la moindre flash, la moindre smoke pour s'avancer jusqu'au contact du bomb Sita. On voit hein, cette exertion en ligne par ligne justement au niveau de cette longue. Tout il va s'occuper de ça au niveau de la banane. Et on devrait venir titiller au contact. Deux joueurs qui vont être bien seuls hein, quand même. La rotation qui est pas encore en train d'arriver. Rob qui commence à l'amorcer. Ah le wall de Frozen, magnifique là-dessus. Avantage numérique récupéré. Frozen qui peut pas s'exfiltrer. Il prend son temps, on vient pas tout de suite le chercher. Frozen, la première smoke. Comboté par Bronchi, surversion. Frozen, et il est encore par Bronchi, on reste en vie. Frozen, Slovak et Robs viendra conclure. On a tenu dans les duels pour FaZe, bien aidé par les traverses smoke de Frozen. Et c'est là où, attention à ce start où les individualités de FaZe vont déjà faire la différence. On n'a absolument pas tremblé. Alors le timing de pose de fumigène était fou. Sur la dernière frame, il repère, donc il entame directement son spray. Derrière, on se pose pas de question, il y retourne. Le doublé, Brokey qui enchaîne, il y avait un pic sur flash. Ils étaient prêts à la réception. Et tu l'as dit, Mouse, dans l'idée qui était proposée sur le point, on n'avait pas besoin de stuff. Malheureusement, les stuff adverses, eux, ont fait la différence. On n'a pas pu s'exprimer ici au skill. Ce qui nous renvoie directement sur une écho. Alors attention, il y a quand même 4 Deagle. Mais normalement, FaZe s'en sort. Ouais, c'est étonnant d'acheter 4 Deagle comme ça. Ils ont pas beaucoup d'excédents non plus, les Moz. A voir s'ils peuvent quand même les faire fonctionner. Taper un petit peu dans l'économie des FaZe. Objectif pour les FaZe, conserver les 5 armes. Se créer un vrai round bonus sur le prochain point avec cette Galil et cette MP9. Et essayer de mettre les Moz dans un cycle économique très compliqué. Un bon kill, il a tout intérêt justement à chercher ses frags, tu l'as dit. 600$ par kill, ça ne se refuse pas pour un certain Brokey qui aura envie de sortir rapidement un sniper.
Mais bon, pour l'instant en face, on prend son temps. Plus on prend le temps, plus l'adversaire aurait tendance à dépenser des stuff. Donc ça serait déjà une petite victoire. On leur coûte un petit peu d'argent supplémentaire. Et éventuellement, on prendrait des one dig. Ça n'arrive pas ici. Broky sur Jimpat. Les hostilités sont maintenant lancées. Et on pourrait repartir sur le monster peut-être. Avec un Frozen qui se débarrasse de Torzy pour l'instant. Pas de drame, mais voilà, le one dig devait arriver. Il arrive sur Rain. Ouais, c'est important. Une petite arme tombée. Ça vient d'en faire tomber une deuxième. Broky fait l'élimination. L'arme de Rain Vade récupérée. Effectivement, de la MP9. Est-ce que Broky va investir directement sur le sniper? J'imagine qu'il devrait rendre cette Galil à Rain. Directement sortir le fusil vert. Il y a Posta qui est demandé, on perd pas de temps là-dessus. On sait dans quel contexte on est. Et pour le coup, hein, hier, on avait une pause sur Nuke lorsque Mouse perdait 0-2. J'ai dit, attends, on a pris que 2 points. Déjà, le coach a envie de remettre. De mettre les mots justement et d'essayer de motiver son équipe. Et déjà, il avait repéré quelque chose qui n'allait pas. Là, on a l'impression que c'est une situation assez similaire. Ne surtout pas les laisser être submergés par peut-être l'enjeu, par l'adversaire aussi qui démarre très fort. Une pause tactique pour aller se lancer dedans correctement, round d'armée à venir. Et il va falloir maintenant taper ici très fort dans un contexte où... Oh, c'est magnifique ça, Rops. Et en vrai, le public est prêt, hein. Le public a tout ce qu'il faut. Ils ont pas mal de petites idées. Alors là, il y a quand même une situation qui est assez intéressante. C'est qu'on n'a pas réinvesti sur un sniper pour Broky. Ça, je pense, c'est pas lisible pour Moz. Ils vont vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un sniper positionné au niveau de cette longue. Ça va pas être le cas, on va voir comment est-ce qu'ils vont développer leur contrôle. On va directement propulser Brawl au niveau de cette construction. Et le reste de l'équipe va s'occuper, travailler ses premières lignes au niveau du bomb site. On joue très très haut pour FaZe. La volonté de sanctionner des mobs qui seraient pas assez méticuleux. Et le stuff se dissipant au niveau de ce mid, ils vont préférer reculer. Mais le travail là, regarde le temps qui est en train de perdre Mouse sur son contrôle. Ils sont simplement au niveau de ce garden à 1-20. Le ballon qui va commencer à être dézoné pendant qu'un piège est organisé dans ce logo. On tient l'idée, tu as dit, du start 3 qui de base était quand même assez haut sur la carte. On vient maintenant à se repositionner côté toilette et pour le coup ça pourrait faire mal parce qu'attention, alors oui il y a un trio qui arrive sur la longue mais c'est un trio porteur de bombes et là-dessus tout pourrait se dessiner. Si on a envie de chercher toilette, soit on a une double décale, soit on a une flash. Dans les deux cas, FaZe a une réponse proposée ici puisqu'il y a un joueur qui n'est pas blanc. Frozen redécale, Broky en fait déjà un premier, attention à la bombe qui a été repérée, mais attention sur lui, on a peut-être envie de forcer le contact. On y va sur la mollo, celui répond sur un premier, le second éventuellement il faudrait un trade, s'il n'y arrive pas, le trade est trouvé par Torzy. Ah, et en plus, Brawl qui attrape Ravelette, c'est toute la défense de FaZe qui s'écroule. Oumsita qui est complètement ouvert. On va accélérer. Kerrigan qui essaie de faire sa rotation. Il y a un petit peu hors timing là-dedans. Il devrait être attendu par un Brawl après son jeu de stuff. Il va monter les toilettes. Le duel remporté par Kerrigan. Brawl qui se retrouve un petit peu tard. Kerrigan qui enchaîne sur Torzy. Oh, il y a une game qui relance le round là-dessus. C'est un contre 1. Les deux joueurs sont low HP. Dimpa qui récupère la bombe, qui pourrait repartir sur le bomb CD. Ah, c'est ce que Kerrigan envisage, c'est le pari qu'il va aller tenter ici, le capitaine de FaZe. Malheureusement pour lui c'est le mauvais, mais en même temps pour Jimpat aussi, on ne sait pas ce qui se passe. L'adversaire peut être littéralement partout sur la carte. La bombe, elle, a été plantée pour la banque. Jimpat patiente, il aurait tout intérêt à vider le contact dans son dos, mais c'est une question de timing. Est-ce qu'il va le sentir? Et le public, peut-être, il pourrait commencer à vendre la mèche. On fait un petit peu plus d'ambiance, on sent les vibrations dans l'arène, on s'en méfie. Jimpat attend, le X-ray a disparu, mais on le voit au radar, ça se rapproche, et finalement Jimpat s'impose. Il va refuser l'exploit ici à Kerrigan et donner le premier point de Mouse. Alors on a vraiment voulu jouer cette reprise jusqu'au bout, ce 2 contre 3. On n'est pas passé loin de réussir l'exploit, mais finalement ça a coûté très cher économiquement au FaZe. On a des extensions sur pas mal de joueurs pendant qu'on revoit le travail de Shui, qui n'a pas hésité à bien traverser cette molo pour sécuriser le trade. C'est grâce à lui que le rang n'est pas complètement perdu pour Mouse. Il fait cette élimination clé qui permet l'enchaînement de trade derrière. Et les FaZe avec ses premières éliminations qui ont essayé d'empêcher le trade directement. On a vu la molo pop. Énorme travail du dernier game de la part dernier game des Mouse, pendant que le petit boost permet à Rob de trouver une ouverture. Oh, ça vient déjà calmer Jimpat. On dit écoute, super, t'as mis un V1 contre Kerrigan. Ouais, l'achat était correct. Je pensais pas qu'on pourrait avoir 4M4 un sniper, notamment à cause de la mort de Rain sur l'écho des Mouse. Broky ne se rattrape pas ici, petit coup d'épaule de Torzy, directement sanctionné. FaZe qui répond fort sur ce début de point. Alors attention, c'est pas encore fini, mais Broky il en veut. Et c'est un Broky qui est en confiance depuis le début, qui depuis le début dans 16ème Chengdu a été quand même assez puissant, assez pertinent, qui se permet de jouer. Et en même temps, si tu te sens meilleur que l'adversaire, pourquoi refuser ces duels? Ouais, c'est lui dans ta statistique, hein, côté FaZe. Un va de rating pour l'instant sur le tournoi. Pendant que le côté de Jimpat qui est l'homme fort de chez Mouse. Et pas vraiment encore en train dans son match. Sur la
flash qui gêne pas trop finalement sur Brocky, elle partira au-dessus de lui. Brocky qui devrait gagner le duel, à moins d'avoir un petit raté, mais c'est surtout une belle décale de celui là-dessus. Coup d'épaule, décale, deux balles, c'est létal sur Brocky. Frozen tente de se positionner maintenant, et celui en fait deux. Le capitaine qui va prendre les choses à son compte, qui a envie de mettre la main à la patte, de montrer de quoi il est fait ici. Xersion enchaînera sur flash dessus, et s'il vous plaît, il était au four et au moulin, par contre ça arrive rapidement dans le dos, il faut le gérer Brolan. Ouais, Brolan qui a repéré un adversaire, est-ce qu'il peut se douter qu'il y en a un deuxième? Pas forcément, il y a un duel important qui pourrait se dessiner entre Rein et le jeune suédois. Rein qui est entendu là-dessus, Karian qui est décalé, Xersion qui fait l'élimination, Rein qui a remporté le duel mais qui va devoir se contenter de sauvegarder. Il a perdu trop d'HP dans l'opération. Deuxième round pour Mouse, Echo à venir pour les phases, on pourrait recouler à 3 partout. Ça fait du bien et pour le coup, dans les éléments qu'on avait cités hier, dans les éléments individuels qui ont été très puissants, on parlait à côté Mouse de Jimpat, on parlait de Torzy, on a parlé aussi un peu de Xersion, voire même Brolan en map 3, mais on n'a pas évoqué celui. Et pour le coup, là, c'est celui qui va faire la différence. Et je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est un symbole extrêmement fort ici, que ce soit le capitaine justement qui aille chercher ici un round qui n'était pas gagné d'avance. Hein. 3 contre 5 après double ouverture de phase. Ça devait être réglé par phase, mais Mouse, comme hier face à G2, est en train d'envoyer un message très fort. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les petits d'hier, nous sommes peut-être les grands de demain. Et pose tactique directement demandé, ça se comprend. Hein. Ouais, ça fait deux fois que phase trouve en situation favorable dans le round et qui se font complètement retourner. Alors à voir ce qu'on va dire à Brocky là-dessus. Est-ce qu'il avait besoin sur 53 de garder la position haute? En même temps, ça peut se comprendre. Hein, l'avantage d'avoir le sniper, c'est que voilà, même s'il tombe, ça donnait l'information à ces deux joueurs en A qu'il faut tout de suite refermer et reprendre l'espace. Ils ont eux aussi perdu leur duel. Du coup, Neo qui essaie de calmer ça et de relancer si possible les faits. Il y a quand même une AK sauvegardée par Rein, ça pourrait être intéressant. À voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Les Moz n'ont pas encore pu se construire un excédent économique. Donc c'est le moment d'aller faire tomber des armes pour mieux les reset sur le round suivant. A phase étant phase, se passer des dingueries dans le bon comme dans le mauvais, et peut-être qu'une AK sur eux pourrait suffire, je crois qu'il y a un petit deagle aussi sur Ops. On sait jamais, avec un start à 5B visiblement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on veut boost Rein peut-être pour mettre cette AK en valeur? On va faire décaler directement au niveau du monster. Rein qui va révéler la position de son AK, assez surprenant de sa part. En général on essaie de masquer la présence de l'arme sauvegardée de... autant que possible, et du coup voilà, il met ses petits boules, j'ai l'impression qu'il va repartir sur le A, non, il hésite un petit peu. Le choix assez étrange de la part de Rein, et Rops qui passe pas loin de connecter un coup d'eagle travers. Oh. Ouais, longue distance, Brolan s'impose sur Rein, sans trop de soucis à la K, il avait l'avantage là-dessus. Attention à Karian qui pourrait peut-être surprendre sur Brolan, si on le prend de flanc, eh non, le joue à deux hein, par le monster, par le T2. Rops intervient, mais Sweet Jimpat, on arrive à se rassurer, alors attention à un redécal de Rops à K en main, tenu par Torzy. Ah, la petite surprise, hein, parce que quand on tombe Brolan, on sait que c'est l'extrémité sur cette zone, on s'attend pas à ce qu'il y ait plus de joueurs, d'où la naïveté. Et Brocky qui devrait se contenter de sauvegarder la carte, il a pas de raison de chercher beaucoup plus. Il a pas l'économie en plus pour sortir le sniper. Ah, et même ce qu'il essaye là-dessus, est-ce qu'il veut essayer de trouver une élimination supplémentaire? Ah, on se rapproche comme ça, tu vois. Bon. Je me dis, même le save dans ces conditions, il est clairement pas garanti. Hein. Il y a un point d'appui qui reste en B, c'est Torzy, sniper en main, ils sont déjà 3 en A. Peu importe où Brocky tenterait de s'enfuir, ça pourrait être complexe, mais pour le coup, t'as raison, il se rapproche du danger. Il se rapproche du danger, ils se retrouvent dans une situation qui est vraiment pas agréable. Surtout que là, les Moz n'ont pas vraiment d'intérêt à essayer de le traquer. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'argent, chaque arme tombée, ça pourrait être une galerie d'acheter au prochain round. Notamment Torzy là, qui traîne avec son sniper, voilà, qui va reculer. Alors certes, avec un snipe, il a toujours l'avantage dans ce genre de duel. Et la perte d'un face-à-face aurait pu être extrêmement compliquée. Il n'aurait pas pu réinvestir derrière. Bon voilà, on va s'arrêter là. 3 partout, c'était annoncé. La AK finalement est conservée par les phase et les Moz ont eu ce qu'ils voulaient. 4 armes sauvegardées, un début d'économie qui va commencer à se créer. Voilà, de l'excédent sur Torzy, Sweet Jimpat. Il se crée ce petit rang de marge qui fait que si maintenant les phases étaient amenés à inscrire le prochain point, ils pourraient racheter et éviter de passer par ces fameux rounds contrip où une des équipes est obligée de faire un force assez crassou. Rein qui lui partira sur MP9. On va voir s'il n'aurait pas envie de chercher un contact rapide, peut-être sur une prise de la construit, la question se pose.
Il y a un rachat qui est certes complet, on l'a dit simplement MP9 pour Rain, mais aussi pas de sniper sur Brookie qui jouera avec l'AK conservé. Et des Mavs, eux, qui peuvent repartir tranquillement. Alors les premiers signaux de stuff classiques sont envoyés au niveau du mid. Fumi sur la droite, Molo sur la gauche, Star 3. Et un contact construit effectivement gagné par Rain face à Torzy qui a tenté un exercice quand même délicat. Sorti de Fumi, jeune sniper en main face à MP9, ça ne marche pas. Ouais, c'est surprenant de sa part. En général, il y a toujours un rift qui vient accompagner, exertion qui est pas naïf là, du off de la part de Frozen. Justement, le fait que Torzy soit mort, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de poids au niveau de ce B pour les Moss, ce qui fait que Frozen s'est imaginé qu'il pouvait tenter une infiltration. C'était pas le cas, c'était bien tenu par exertion. Un 4 partout et finalement des fesses qui n'ont pas beaucoup d'espace sur la carte. Il n'y a pas une volonté de la part de Rain de retourner à la construction, j'ai l'impression. Ouais, patiente, on a peut-être envie de le faire, il y a Brookie qui pourrait se préparer à boost quelqu'un. Robs arrive, alors vous le savez, sur CS2, cette variation qui est proposée, parce que la map a un peu évolué, en plus d'être restylée, il y a eu des changements vraiment physiques sur le layout de la carte, et du coup, le boost qui est revisité. Alors ici, ça ne donnera rien, on n'aura pas de contact, et un Jimpat qui va clear le connecteur, peut-être un duel à venir, même très certainement un duel à venir, ça se joue au timing, et la repérer Rain. Oh que oui, Jimpat l'attend maintenant, pendant que ses coéquipiers tenteraient de passer longue. Le manque de réussite là-dessus de Rain, Jimpat qui va quand même isoler le 1v1, c'est tellement risqué ce qu'il fait Jimpat, il n'avait pas besoin de faire ça. Il perce le duel clé et ça va confirmer maintenant que l'intention est bien au niveau de ce bon site. Ça devrait générer une rotation, pourquoi pas de la part de Rain. On a déjà la présence d'un joueur dans le dos. C'est Carry qui gagne plus de joueurs sur le bon site B, ça va être très compliqué pour moi. Ouais, Brookie qui encore premier, contre... celui qui répond, attention à Robs qui intervient, Exertion à son tour et c'est maintenant du 1v2 pour Exertion. Mais bon, 10 secondes, bombe au sol, il n'y a rien à trouver pour lui. Robs sera le dernier gardien de ce BP. On a vu la guerre d'information là pendant tout le point. La volonté de Rain de reprendre cette, cette construction après l'échec du off de Frozen, le petit boost en parallèle pour s'assurer un trade. Dès qu'on a clair la construction, on renvoie les joueurs sur le bomb sitar, on off directement dans le dos par le monster et on laisse Rain en point d'appui dans cette constru qui remporte ce duel sur Jimpat. Jimpat qui essaie de volonté de faire tomber Rain pour mettre un gros doute sur la défense. La prise de risque était intéressante, mais finalement a coûté assez cher à son équipe. Alors, on prend le point. Attention par contre, en termes d'écho, c'est toujours très très délicat. Alors c'est délicat des deux côtés, on est sur un round vraiment clé sur ce premier side. Est-ce que FaZe peut marquer sa distance au score ou au contraire, est-ce que Mouse peut essayer de taper plus fort et à terme peut-être même les dépasser? La question se pose ici. Pour agir, on aura 4 AK côté Mouse avec un Galil sur Brolan. En face, 4 M4, une AK, mais de part et d'autre, pas beaucoup de stuff, même si l'attaque en aura un petit peu plus ici. On a un contrôle de carte qui est déjà bien établi. Des FaZe qui vont jouer assez bas cette fois-ci. 3B, 2A, on va pas chercher les zones neutres. Ah, c'est un vrai rang de pour le chaos hein, sur cette première carte. Il y a peu d'argent des deux côtés. Si une équipe venait à perdre le rang en perdant toutes ses armes, ce serait une écho assurée, rendre compte d'où pour l'équipe adverse. Brolan en train de faire un peu de search là au niveau de cette short. Il a repéré un adversaire, parce que Rain sans doute, on va venir le décaler. Prise de risque à côté norvégien, il sera pas sanctionné pour ça. Et le contrôle carte de la part des mods est en train de se diriger au contact du A. Et attention à Frozen, il a une bonne pose là-dessus, décale sur Flash. Le joueur n'est pas blanc, surtout on l'a pas repéré. Robs par contre, qui ouvre déjà les hostilités en B, trouvera un kill en travers sur Brolan. Frozen qui a une pose assez intéressante, est-ce qu'on va s'en méfier? Il le faut, les stuffs qui sont lancés. Et on comprend maintenant ce qui se passe, c'est lu, vu, entendu, attendu, réceptionné par Frozen qui en fait un premier. Attention à la réponse de Jimpat, 5 PV restant sur celui. 28 secondes de jeu, 2 défenseurs, va bientôt 3 sur le BV, ça tient pour Brocky. Attention à Robs derrière, abattu par Torzy, c'est du 1v2. Il tente de repérer en prise d'info en sautant, mais ici il ne voit rien. Il y a un fumier assez douteux qui a été disposé. 15 secondes, fin d'amorçage, on tourne, mais normalement c'est fini pour Torzy. Un joueur à droite, l'autre à gauche, il ne pouvait rien faire. Ah, c'est une catastrophe hein, pour Moss. Se rend encore une fois un gros travail de la part de Frozen au contact. On a aussi un wall de la part de Robs. J'aimerais bien voir comment est-ce qu'il a tué Brolan au niveau de cette construction. Il semblait pas du tout être en position de le faire. Quand on revoit la double élimination de Brookie. En tout cas, le tinkt trouvé sur le deuxième joueur. La Diane se conclut tranquillement le point. La bombe n'a pas été portée, ça va être une full écho pour Moss. C'est l'occasion pour FaZe de construire une banque et de se lancer parfaitement sur cette fin de side. Ils ont l'occasion hein, FaZe d'aller chercher un énorme side CT maintenant. Voilà, il n'y aura pas de dérapage, c'est évident. Un P2, une flash. On peut aussi se servir de ce point pour aller préparer la suite, pour discuter un petit peu, poursuivre, pour aller galvaniser les troupes à nouveau. Et sur une flash apparemment qui permettrait de sortir Monster. Bon, on attend un perfect de FaZe, j'en veux dire rien de plus. C'est clairement l'objectif. On voit qu'il y a très très peu d'excédents là dans les poches. C'est le moment de se construire cet excédent.
On prend son temps, côté Moz, on fait tomber le stuff des Faze, on voit ce genre de move là, c'est moins 600$ déjà pour la défense. Karian qui pourrait tenter de smoke dans la foulée, non. Il va repérer un premier adversaire, il va reculer, il va attendre sa rotation, le spray est compliqué, on va venir l'aider, et le perfect est sécurisé. Ah, tranquille, Karigan qui s'en sort bien, bien aidé par Rops. Ouais, il a forcé le duel, mais a raison, il le sait très bien que c'est de l'écho en face, et dans ce petit tunnel, votre nombre importe peu. Sur un gros spray d'AK sans Kevlar, tout le monde finit par tomber. Et les belles images du public, une arène qui est bien remplie, et mon cher Varka, on a quand même, depuis le début, bah, je dirais pas qu'on est choqué ou surpris, mais c'est vrai que des événements de cette envergure en Chine, bah sur CS, on n'a pas eu beaucoup récemment, donc ça fait plaisir. Bah bon, on entendait notamment que pour le Major de Paris, il y avait eu énormément déjà d'équipes chinoises inscrites à l'Open. On sait que pour le Major de Copenhague, il y en avait encore plus, plus du double. Et du coup, en fait, on est en train de se rendre compte que petit à petit, Counter-Strike est en train de se développer en Chine. Et c'est ultra intéressant. C'est que c'est un nouveau public qui pourra arriver sur le jeu. Ouais, il y a de plus en plus d'événements dans cette région du monde. Ah, la prod qui le met bien, clairement, c'est son jour avec son maillot FaZe. Il est content, il est fier, il est heureux. Et c'est ça aussi la passion de CS. 6 à 3 en air lancé. On l'avait dit au début quand même, Mouse qui va mettre quelques points en terreau sur un pas, c'est très important. Mais on a retrouvé ce visage de FaZe qui a l'air d'être plutôt conquérant en place. Et là, c'est la responsabilité de Mouse d'aller les faire trembler. On est reparti sur une double HE rapidement envoyée sur Sui. Ça coûte 33 PV. Par contre, attention à l'arrivée sur la longue. On refait ce setup ça, pour FaZe. Ils attendent que ça. Là, c'est la Gamer Legion qui est faite par Mouse. On court comme ça. Au niveau de la longue, on essaie de court-circuiter un petit peu la défense, mais ils attendent que ça. Allez, projet sur le premier contact qui va s'imposer. Et en plus du stuff support lancé par Rob, c'était complètement lu grâce au son Broky. Allez, maintenant poursuit pour relancer le round. Il l'avait fait une première fois dans un scénario similaire. On peut venir permettre à Broky de décaler. Le kill qui est pas sécurisé encore. Et Broky qui s'impose, qui pré-shot. Et Frozen en travers smoke, c'est dégueulasse. Chambrolan, la réponse en fin de Team Pat, mais l'essentiel est déjà fait pour les phases 4 contre 1. Alors on est perdu d'avance, quoique Jimpad pourrait quand même être embêtant pour les adversaires. Traverser de fumigène, trouvera la tête de Rops, faire tomber des armes, bon, ce serait un moindre mal, on se dit pourquoi pas, ça impacterait l'écho de FaZe. Même si on est très probablement en train de se diriger sur un 7ème point pour les hommes de Karigan. Oh, le joueur LoHP qui repasse, ça se joue à pas grand chose pour que Jimpad intercepte. On a deux joueurs qui sautent sur le BP en prise d'info. Karigan qui est très prudent derrière, en train d'arriver petit à petit. Et attention à pas offrir 3 duels successifs à Jimpad. C'est 1 contre 3, un joueur qui repérait sur la gauche, Jimpad qui décale sur la droite. Et ça se joue à pas grand chose en réalité ici. Grosse conséquence hein, sur ce round. On n'a pas planté la bombe, pour moi, on ne pourra pas racheter. 7-3 pour FaZe. Il y a le 8ème qui propose ici dans la foulée. Il y aura des petits pistoles améliorés. Encore une fois, on va revoir hein, le read de la part de FaZe. Le positionnement clé qui permet à Broky de faire les éliminations. À Frozen aussi, on avait l'information sonore, ce qui a permis de déclencher la flash de Rops. C'est un round qui est très commun de la part des Moz. Et évidemment, les FaZe s'y attendaient. En tout cas, une nouvelle fois, ils avaient stop adapté. Cette fois-ci, ça a fonctionné. On partira maintenant sur Tech9. Tech9, Deagle, P2. Bon, peut-être que ce changement de rythme pourrait faire du bien. Alors attention, on sait qu'on a quand même des armes démoniaques, notamment sur les Tech9, mais Broky est en place. Aucun problème pour lui. Il était seul sur la zone. Il l'assume, il en fait deux. Repique sur Flash. Alors là, c'était de trop. Il a voulu se faire un petit kiff là-dessus. Attention, parce que ça n'avait pas trop de conséquences. La M4 qui n'a pas encore pu être récupérée. Frozen qui continue à mettre du stuff pour ralentir la progression des terreaux et justement les empêcher de récupérer cette arme. Rops qui verrouille la longue. Il y a quand même hein, le Deagle de version aussi qui peut être dangereux sur la zone. Ouais, il va être abattu, c'était compliqué pour Frozen qui perd la moitié de ses points de vie. Et c'est un 4 contre 2, on a quand même la main sur ce round pour les FaZe, on peut se permettre de perdre quelques armes. Dans tous les cas, derrière, ça sera le dernier round du side. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire de l'impact économique pour Moz, c'est vraiment essayer de remporter ce point. Oui, clairement, de la Torzu 37 PV, Brolan 43, normalement il n'y a pas trop de danger. Rops qui a vu les deux. Rops qui a la double information, c'est une certitude. Les joueurs du B qui vont commencer à bouger, petite Molo qui a envoyé sur la longue. Bon, y a pas grand chose à espérer ici pour Mouse. Et si on fait un petit point sur le score, on notera quand même, mon cher Varka, parce qu'au début on en parlait, hein, Broky en termes de stats depuis le début il est monstrueux, bah il continue de l'être. Hein. Et M4 Sniper, c'est le patron du serveur. Ah, il est excellent Broky, excellent, c'était l'homme fort des FaZe sur la nuque hier. Il a retourné des rounds improbables, ça aurait pu clairement faire 2-0. Et au final c'est bien les FaZe qui se sont imposés grâce à cette nuque notamment. Allez, on va venir titiller ce bon site B, Karian qui est déjà là sur la rotation, la smoke pour masquer sa vision, Karian qui va quand même essayer de prendre son fight, qui va isoler une première élimination, Rain qui vient en trade, je l'avais pas vu au niveau de cette construction, les kills sont pris dernier round à venir de ce side, est-ce que les FaZe peuvent s'envoler? À 9-3 ça ferait mal, ça ferait quand même très mal, même si ça reste overpass et que les side-step peut être puissant.
à ce start 9-3 en plus. Enfin, on n'y est pas encore, on est sur un 8-3 pour l'instant, mais si on y arrive, effectivement, en plus de la confiance qui serait trouvée au-delà de la différence au score, quand tu t'appelles FaZe et que t'es cette équipe d'expérience, ces hommes de scène-là, et que sur le pic de l'adversaire tu démarres ainsi, ça serait dur de les stopper. Donc il faut vraiment prendre ce quatrième point pour Mouse, ensuite aller chercher le pistol. Faisons les choses dans l'ordre, avec un Torzy qui a été gêné par les stuffs dans le mid, petit coup de sniper qui ne touchera pas, Jimpat pour aller travailler au niveau de son connecteur, et peut-être plus tard un duel face à Rob, ce qu'il attend patiemment. Ouais, ça va être un round plutôt lent, et je regardais un petit peu les statistiques, on sait que FaZe, en tout cas j'avais cette image là, d'une équipe qui est plutôt forte sur Warpath en terreau, notamment lors de la confrontation contre Mouse, ils avaient remporté 7 rounds sur cette terreau, et pourtant c'est pas une généralité, ils ont un win rate en tirant de 34%, avec 35 si on arrondit, en soi, c'est tout à fait possible hein, pour les Mouse de réussir un comeback, mais pour ça, ce serait bien de venir recoller à 8-4. Avec un petit GR, ils auront encore toutes leurs chances. Et attention, Rob, contact là, ouais, qui pourrait arriver, ouais, on se rapproche petit à petit. Rob, ce timing magnifique, alors ça, l'instinct du joueur qui fait la diff. Karrigan qui sera attrapé par Brolan sur l'extrême monster. Par contre, au niveau de la banane, il y a un petit jeu de dupe qui s'organise et il y a un suite qui se débarrasse de Rob. Alors attention, FaZe, il y a un chaos créé sur la carte. Frozen intercepte Exertion. Rein a une ligne quand même assez originale qu'on n'attendrait pas ici. Les joueurs se sentent peut-être un peu perdus côté Mouse. On court dans tous les sens, on monte pour redescendre. Rein est en bas et Rein fait le café. Un gros deux balles sur celui. Torzy qui n'osera pas sortir. Flash support, décale. Et surtout Torzy sur le quick shot là-dessus face à Rein. Contre Molo envoyé par Broky, 2 contre 2, un passage BP, est-ce qu'on peut y planter la bombe? Torzy qui a perdu beaucoup d'HP dans l'opération, est-ce qu'il y a un stuff pour le faire péter? Il y a une HE sur Broky. Ah, Broky qui a trop tardé, il a lancé sa HE, il y avait plus qui l'a récupéré. On s'en sort très très bien pour Torzy, la bombe est amorcée, repositionnement. Au niveau de ce monster, on attend Frozen qui va arriver, mais il est attendu par le sniper en gros. La décale va être très très compliquée pour les anciens coéquipiers. Torzy qui a entendu maintenant, qui change de ligne, le public qui se fait entendre évidemment. Vous êtes en train de s'avancer au contact maintenant, les petits coups d'épaule de la part de Broky. Oh, le gros raté de la part de Torzy, il reste plus que Brolan au niveau de cette water qui s'impose dans un premier duel. On n'a pas beaucoup d'HP pour remporter le fight. Pour Frozen, ça va être un clutch remporté par l'ancien joueur des NIP, 8 à 4. Et on est de retour, prêt à repartir. Mouse, tu l'as dit, a assuré le minimum syndical, mon cher Varka. Tout est encore possible et on le sait, Suicide Hero Overpass, Side CT, pardon, ça peut largement suffire face à des FaZe qui ne sont pas forcément la plus grande des références en attaque. Ouais, c'est ça, hein, je le pensais aussi, mais ouais, regardant les stats, ils remportent environ un tiers des rounds ces FaZe, donc ils sont pas si bons que ça, finalement, sur ce side. Les Mouse qui ont toutes leurs chances, mais évidemment, ça passe par ce pistol. Pistol engagé avec trois joueurs qui startent en A côté Mouse. Une prise d'information confirmée par Torzy sur Rein. Rein qui joue ses duels de loin. Attention, Rein qui pourrait être poussé ici par Brolan. Il a une info. On a quand même deux joueurs, dont un qui est assez aggro. Pendant ce temps, on va aller chercher le connecteur. On est sur un pistol très lent pour FaZe. On va faire les choses bien et on pourrait avoir un finish puissant puisqu'on a Fumi, double flash, mollo. Une défense qui essaie de resserrer sur l'ensemble de la carte. Quand on a construit le ballon et les toilettes, décale sur flash et très bien amené. Exertion sera la victime. Il reste encore suivi. Sur ce bomb site, pas de volonté d'accélérer de la part des FaZe. On prend son temps. Et ça va laisser le temps. Moi, je demande d'amorcer cette rotation. Torzy est déjà arrivé. Jimpa devrait pas tarder. Pendant que je suis récupère un contact, il a l'information maintenant. Est-ce que ça va faire douter les FaZe? Est-ce qu'il n'y a pas à avoir une volonté de repartir? En tout cas, on va venir titiller par cette short maintenant. Les deux équipes qui frisent. Et on s'attend. 50 secondes.
50 secondes de suspense, de pression, peut-être une des deux équipes qui finirait par craquer. Typiquement, est-ce que la défense aurait pas envie à terme de reprendre une info ou même de tenter un pari? Le pari serait en B puisqu'on y arrive à 3. Brolan sera seul en A. C'est le bon call. Maintenant, il faut que ça tienne au skill. Et attention, justement, on en parlait. Hein. Ces stuffs qui vont commencer à tomber. La flash qui ne gêne pas tellement. Les joueurs qui ont été repérés. Les premiers contacts sont pris. Avantage à Broky. Réponse de celui qui en fait un, qui en fait deux. Puissant ici à l'USP, il en veut plus. Redécale, mais dans l'open sera attrapé par Frozen. Laissant Brolan, le joueur du A, en 1 contre 3. Ah, il a son petit Kevlar. Il a pas de volonté visiblement d'aller sauvegarder, il va tenter ce clutch improbable, il le sait, hein, pour maintenir les Maus en vie, il faut remporter ce GR, ça semble pratiquement impossible, il y a des crossfires naturels de partout, Karrigan en plus qui va venir le repérer, ça va permettre à Robs de se préparer à la décale, et c'est compris par Brolan, maintenant qu'il a été repéré sans faire d'élimination, c'est déjà perdu, il va s'en aller sauvegarder son Kevlar, est-ce qu'il n'y a pas une volonté dans la foule de Maus de force, c'est pas impossible, on le disait, pour faire ce comeback, il fallait ce GR, ça va faire 9 pour FaZe, s'il n'y a pas force, c'est déjà 10, est-ce qu'il ne participe pas de trop loin les Maus? Ouais, et puis Kevlar conservé, on pourra avoir un force Famas pour Brolan. Je pense qu'on ne garde pas pour rien ce Kev. Éventuellement même une post-stack. Hein. On en avait une de poser rapidement par Maus sur le premier side. Ça pourrait être cas aussi sur le second, histoire de vraiment se préparer et de comprendre les enjeux ici. Surtout que c'est leur pick, hein. C'est le pick de Maus, alors qu'on a des choses assez mignonnes qui sont proposées par le public. Un supporter FaZe, visiblement, qui doit être assez heureux hein, de ce pistol remporté ici. Mais ça sent pas très bon pour Maus. Bah effectivement, on disait un overpass, c'était une carte qui, oui, FaZe n'avait pas certes de bonnes stats actuellement dessus, mais on le sait, historiquement, c'est une carte qu'ils maîtrisent, sur laquelle ils savent se battre, et on le voit depuis le début. Oh. On n'aura pas de force. On va partir simplement sur un P250 investi ici. Rein avec son Mac-10 qui pourrait y prendre peut-être... les premiers contacts sur la longue, en tout cas on s'en méfie, il y a un petit piège longue, on a l'air de s'en douter, ah, Rein est très précautionnel à HE, ah, attention quand même au timing là-dessus, HE qui sera raté, petite flash supplémentaire, les gros sprays redécale et on y va, ici on s'impose, ce ne sont que des pistoles, alors, pistole qui quand même clique par deux fois, attention tout de même, un double kill à l'USP, Robs s'il vous plaît, réflexe, c'est instantané, c'est propre, Broky intervient, on s'est fait un poil peur. Oui, ça a été fait de manière assez frontale, on va dire, cet anti-écho, sans vraiment de conséquences au final. On va pouvoir basculer sur un full HE, tu l'as noté, il n'y avait pas de volonté de force pour les Maus, on va donner toutes les chances de jouer un maximum de rang d'armée. Le problème sur ce genre de point, c'est que du coup, il n'y a pas de sniper, bah si, bien sûr que si, Torzy l'achète. Et à mon avis, Torzy va commencer au niveau de cette longue. On sait qu'il y a une tendance pour les équipes Kiro, quand il n'y a pas de sniper, en A, on se laisse un petit peu aller, on accélère énormément le contrôle quand on sait qu'on ne peut pas être sanctionné. Alors, ça va être le cas ici, les premiers stuffs qui sont envoyés. En Robs pour les pompiers. Dans les toilettes. Il y a beaucoup d'espace pris hein, au niveau de cette construction. Je disais Torzy, je l'attendais au niveau de la longue, c'était plutôt au niveau des toilettes pour l'instant. Et les FaZe ont plutôt justement axé leur contrôle sur cette construction. Il y a une volonté de reprendre l'information de la part de Maus. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a un joueur qui a déjà pu passer dans le corner? On n'a pas l'impression. C'est qu'il pourra, qui ne pourra pas enchaîner. Heureusement, je suis solide dans cette confrontation. Ah, ça reste un trade avantageux pour FaZe. On va déséquilibrer cette défense. Le 1 point qui à terme pourrait les faire vriller. Et FaZe qui a continué hein, avec tout son stuff. D'appuyer sa pression sur l'ensemble de la carte, fumigène entrée toilette qui vient d'être déposé. Le joueur ira sur la longue, le CT lui ne sait pas trop à quoi s'attendre et attention à Rein. Attention à lui qui pourrait avoir d'ici quelques instants un duel face à Brolan. Il a envie de le chercher, c'est son objectif, c'est son rôle. Ligne par ligne, en slow, il veut être le danger sur cette zone. Brolan qui lui aussi va jouer un jeu extrêmement dangereux, c'est pile ou face sur le fumigène. Pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas de contact, mais attention à Rein qui a repéré, Brolan ne l'a pas vu. Et comme c'est qu'il va être attendu par Broky, la petite ligne cassée là-dessus du sniper. Il va tranquillement gérer le cas de Brolan. Ça ouvre complètement ce bon petit tard. Qu'est-ce qu'on va faire de la part des FaZe? On hésite encore un peu. C'est bien le A qui va être tenu. On va accélérer la mollo pour empêcher la rotation de Torzy. La seconde mollo au niveau de la banque. Torzy ne pourra pas intervenir. Ça va être une reprise en 4 contre 3. Est-ce qu'on va vraiment le jouer pour les Maus? On pourrait déjà faire le choix de sauvegarder, d'offrir le 11ème au FaZe. Ah, ça coûte beaucoup trop cher. Il faut être sage là-dessus. Bon, il y a un fumigène raté, mais ça changera rien. Personne ne viendra se donner dans les lignes. Et oui, vu le contexte. On est à 4-10, 4-11, on n'a pas une thune en poche. Perdre ce point, perdre les armes, ça serait quasiment déjà perdre la game. Et j'ai pas envie de le dire, est-ce que la game est pas déjà décidée hein, vu la tournure que ça prend, la maîtrise mise en place par FaZe, ça tape très fort. Côté Maus, y a très peu de jokers disponibles. Ouais, là c'est dur en fait de lire un peu le niveau des deux équipes sur les sides actuels. C'était un petit peu un randoline là, c'est la... Ce pari de passer directement au niveau de la construction pour Robs qui n'a pas été checké par les Maus. Je pense qu'il y a eu une perte d'information sur un saut à un moment. Je ne peux pas trop expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est jamais imaginé cette possibilité. En tout cas, ce 4 contre 4 qui a tout de suite mis
Les mobs dans le rouge. Il y avait un joueur qui faisait des wow au niveau de ce monstre, c'est peut-être ça en fait. Il y a un joueur qui a fait avec la présence déjà d'une extrémité. Oh. Ça pourrait être l'explication pour laquelle Xerson s'est jamais imaginé la possibilité que Rob soit dans ce corner. Ouais, Faze qui s'est sur l'ensemble du round ici bien joué de son adversaire. On parlait de la prise d'espace de Rain qui donne une information cruciale pour Brocky. Le contact inattendu sur le monster, la pause tactique qui est demandée, celle-ci elle se comprend. Alors oui, trois armes conservées, c'est bien, ça permet d'avoir un nouveau rang d'armée, mais là, le problème il est pas économique. Le problème, il est dans l'action, dans le concret, dans ce qu'on arrive ou dans ce qu'on n'arrive pas à proposer justement ici sur le serveur. On a des Faze qui, eux, sont très bien en place, qui pour l'instant, depuis le début, ne tremblent pas. On n'a pas vu de choses grotesques de leur part. Et ils le veulent. Ils le veulent, ce titre, ce trophée. C'est leur 7e finale sur CS2. Quand même, ils ont fait toutes les finales T1 disponibles et existantes depuis le début de CS2. Ils veulent enfin une victoire. Cette stat qui n'a aucun sens, en fait, on passe pas loin finalement d'avoir une des plus grosses eras de l'histoire du jeu. Il fait juste qu'il n'y a pas les finales jusque là. Et bon, celle-là il semble quand même plutôt bien parti. En tout cas ça commence bien cette première carte. Attention à Rain qui a pris beaucoup d'espace. Le petit raté de Torzy, il avait son occasion dans le sniper en droit, il a pas su la saisir. Est-ce qu'il peut se reprendre? Oh. Ah non, gêné par la flash, c'est un 5 contre 5 et beaucoup d'espace récupéré par les Faze sur Bombsita. On a 1-30, il faut se rendre compte, hein. 1-30, la progression qu'on arrive à trouver ici sur Warpass. Tout ce qu'on a forcé en termes de réaction du côté de la défense, entre les repositionnements, les setups qui sont cassés, les stuffs qui sont tombés, le joueur repéré sur la banque qui a aussi un petit peu son lot d'infos, qui va renouveler le film Monster histoire de sécuriser le B pendant qu'on reste à 3 en haut. Ouais, je me demande si on avait repéré sur le round précédent Torzy justement en sniper. Je m'attendais sur le round précédent à ce que les Faze déroulent au niveau de ce A. C'était pas le cas. Là, ils ont dû s'imaginer qu'il n'y avait pas eu de sniper. Je crois pas qu'ils l'avaient repéré. Du coup, ils se sont permis ce round très agressif. Torzy n'a pas été capable de sanctionner le joueur et Kerrigan. Oh. Justement, lui va sanctionner Brolin, encore un duel perdu pour les Maos et une nouvelle ouverture pour les Faze. Moi, parce que Brolin était tout à fait conscient du danger, il a entendu la flash, il a esquivé, s'est repositionné, mais bon. Kerrigan est en forme, Kerrigan le veut, son trophée, kill de prix. Derrière, décale large de Kerrigan, justement. Xerxion se débarrasse ensuite de Rain, 4 contre 4. Alors attention, c'est pas encore fait, hein. On a encore 3 défenseurs en A, ça va être dur de forcer le passage. Alors, on compte énormément sur Torzy, hein, pour garder l'espace au niveau de la banane, la flash est parfaite. Torzy en plus, qui a gagné son duel. Dans cette banane et le round qui est tranquillement géré à l'épreuve de force de la part des mobs qui se relancent enfin. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis un round aussi convaincant. Il va falloir se relancer. Xerxion, hein, en maître d'œuvre sur la défense de ce BPA. L'enchaînement sur la longue est magnifique. Tu l'as dit, le cadeau envoyé par Sui sur la flash. Ça fait beaucoup de bien malgré la perte au préalable de Brolin. On arrive à y trouver quelque chose de positif dans tout ce chaos. 11-5, ils sont encore en vie. Mais Faze a de quoi racheter lourdement. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour eux. 3 AK-47, double Galil, pas mal de stuff. Prise rapide au niveau de la constru. Contre-boost proposé ici. Alors, on ne se montre pas pour l'instant. Flash pour aller repique ensuite. Les spams, ça touche sur Kerrigan tout de même. On fait bien les choses. Un petit flashique pour décaler. On sait très bien que sinon, ils auraient été attendus. Lâche pour Ops. Rob dans un corner très classique. Et il est sanctionné pour ça. Et on laisse à Rain la lourde tâche de travailler seul ce Bombsita qui a déjà plus d'utilitaire et qui là pour fixer la défense ça fonctionne bien pour l'instant. Brolin et Torzy sont communes dans la longue. On est même pu sortir du connecteur pour Frozen. Faze qui pour l'instant passe entre les trappes de Mouse. En tout cas, développer leur contrôle carte. On va fake l'espace au niveau de la longue. On va même décaler. Non, toute la longue est prise par Kerrigan qui va repérer son homologue, le forcer à reculer. Et on est en train de continuer à développer encore ce contrôle. On est en train de perdre petit à petit de l'espace pour les mobs. Est-ce qu'on va voir un Torzy reprendre se réavancer dans la banane? C'est pas le choix qui est fait, c'est plutôt Brolin qui se permet de se réavancer dans cette longue. Ouh, reprise d'info de Sui. Qui a vu un joueur, alors c'était pas le porteur de bombe. On va rester en 3B2A, 30 secondes de jeu restante, le fumi-pression sur lequel Rain va essayer de jouer, histoire de fixer cette défense, mais bon, le danger en B, il est quand même assez présent, il faut compter sur des bons stuffs pour sortir là-dessus côté Faze, les flashs qui ont été envoyés, exertion contact, hero décal, on fait déjà un premier, Jimpat enchaîne, Frozen à son tour, la réponse est trouvée peut-être, Jimpat solide sur les appuis, le Finlandais qui en fait 3, il est là, le nouveau fixe de Boss Next, il est là, le joueur qui tient bon, le Finlandais qui répond présent quand on en a besoin, de 11-5, on va aller chercher ce 6ème point. Ah, il était très très compliqué hein, ce round pour les Mouse. Alors certes c'était 3 à la réception en B, il n'y avait plus beaucoup de stuff, on a vu à quel point ceux des Faze étaient précis. Ils ont tous été gênés par des flashs, ça n'a pas empêché Jimpat de s'imposer avec ce triple kill. Quel homme, hein, quel joueur, on rappelle, hein, lui il est tout jeune encore sur le circuit CS. Il était chez Mouse Next au préalable, chez Mouse Next il avait des stats exceptionnelles.
sa promotion n'était pas une surprise d'un point de vue statistique. Il y avait la question, est-ce qu'il va rapidement s'acclimater à un niveau de jeu plus élevé, à un niveau de pression plus élevé? On a eu des éléments de réponse l'été 2023 avec l'arrivée en Pro League et en Playoff, un Jim Pat qui était incroyable depuis. Il ne s'arrête quasiment plus. Alors forcément, il ne peut pas toujours être à 100%, mais là, ce qu'il propose ici, c'est très grand. Oh, attention à Rein, grand également, flash pick qu'il trouvait sur Brolan. On a un petit peu forcé là pour Brolan cette décale. Je crois qu'il avait oublié que Rein avait conservé une arme. C'est une full écho en dehors de Rein. C'est à lui de faire la différence. Il a bien commencé. Le problème, c'est qu'il a perdu la moitié de ses points de vie, qu'on n'a pas de Kevlar pour dropper la AK. Donc ça va être tout d'envie d'assumer jusqu'à la fin du point. Et pour ça, il va continuer son search au niveau du bomb Sita. Torsi à la réception dans cette banane. Torsi qui va se réavancer. C'est peut-être ça hein, l'occasion pour les FaZe. Réussir à faire rater un tir à Torsi et l'attraper. Grosse prise de risque hein, pour le sniper hongrois. Non, il n'a pas le droit à l'erreur. Oh, un petit peu malchanceux là-dessus. Alors il touche. Permet au moins de tenir en respect les adversaires qui vont reculer. Revenir à contre-temps par un autre chemin. Par la longue. Par les toilettes. Une défense qui ne bronche pas plus que ça, qui va rester en 2-2. On est censé tenir, on a l'avantage des armes. Et Rein, il a le skill, il est présent. Nouveau headshot sécurisé ici par le Norvégien, on veut plus. Torsi à la réception, il punit, c'est bien, mais le mal est fait. Attention, reprise dans le dos, on repère et on prélève. La bombe qui n'est toujours pas plantée, exertion sur la HE qui pourrait faire des dégâts supplémentaires. Est-ce qu'on y trouve le kill? Non. Et on peut y planter la bombe pour FaZe. Torsi qui est seul sur sa zone avec son sniper. On pourrait faire le courir dessus. Heureusement, Xersion qui répond avec un double. Il reste plus que Rops. AK en main sans Kevlar. Xersion qui termine. Triple kill. Incroyable. De sa part, il le fallait. On a senti que ce round pouvait dégénérer. Il devait bien se sentir seul là sur sa zone, Torsi. Surtout après ce premier shot raté au niveau de la banque. On était parti pour le courir dessus. Finalement, cet écho est remporté par Moz, mais on sent qu'à tout moment, il pourrait glisser face à la puissance de fin individuelle des FaZe. C'est exactement ça qui définit FaZe, qui les caractérise. Dans les hauts comme dans les bas, il peut se passer des folies incroyables. Et c'est ça aussi qui fait, depuis si longtemps, on a des FaZe, en tout cas depuis le début CS2, qui sont très, très constants dans l'effort, parce qu'on est beaucoup plus dans les hauts que dans les bas, et que les forces indives se manifestent bien. On 7, on est reparti sur un round complètement armé. Échange de stuff plutôt classique. Attention au niveau de la constru, les joueurs qui tenteraient de sortir en slow de ce fumigène. Flash qui va être proposé, mais pas de décale. Ouais, c'est un round pour commencer à y croire hein, pour les Maus. On a 4 petits rounds d'écart. Faut absolument, évidemment, remporter ce point et on va venir titiller directement ces constructions. On va jouer très très vite hein, pour les FaZe. Il n'y aura pas de contrôle carte cette fois-ci, on va venir se taper directement. La décale de Xersion. Il faudra qu'il y ait un point, hein, ça n'est pas les abeilles. Frozen qui enchaîne sur un second. Le bomb site est complètement décapsulé. Est-ce que Sui peut compenser? Il a déjà fait plusieurs fois. Il va être esselé, abattu. Et le bomb site est complètement récupéré par les FaZe. Ça va être une reprise en 2 contre 3. Est-ce qu'on veut le jouer? Pour les Moz, on n'a pas d'argent. Sur Brolan, très peu sur Shui. Ah, si on trouve un kill dès maintenant, ça pourrait le faire. Mais la Brolan qui a une fenêtre de tir qui a été repérée. Et je pense qu'il va falloir considérer le save, messieurs. On n'a pas envie de le donner si facilement ce point. On y va quand même. La flash, Brolan qui en fait déjà un premier contre flash adverse. Alors peut-être Torsi qui va drop son sniper au profit d'une AK-47. On a une grosse quinzaine de secondes qui s'est écoulée. Il faudra accélérer maintenant. On a certes un kit sur le hongrois, mais il faut tenir. Frozen qui a une ligne ouverte. Torsi qui élimine maintenant Broky. Frozen doit tenir, mais Torsi est beaucoup trop puissant. Quelle reprise. Quelle reprise de la part des Maus. Le savait, ils étaient beaucoup trop derrière. Ils pouvaient pas se permettre de laisser le 12ème au face. Ils ont tenté ce 2 contre 3. Magnifique flash en sortie du monster. D'ailleurs, on n'a pas vraiment pu s'organiser pour les deux phases restants. Et je pense que Broky décale un peu seul. Hein. Là, tu verras, le BP doit attendre le contact de Frozen. Il a voulu anticiper en montrant sa tête. Il est sanctionné pour ça. Et on revient à 3 rounds pour les Moz. On commence à le sentir. Hein. On le voit, il commence à croire au comeback. 3 petits rounds sur le set, c'est d'overpass, tout est possible. Ah, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup vraiment cet événement où Maus prend une dimension supplémentaire. C'est le step d'après qu'on attend. Même si là, la victoire n'est pas assurée, on y voit des éléments qui font du bien. C'est pas la demi où contre FaZe, Akato, ils se font éclater, prend la carte S3. C'est pas le playoff de Major où ils se font éclater en quart par G2. Là, ils ont battu G2, ils veulent battre l'autre bourreau qu'ils avaient fait tomber sur d'autres playoffs cette année. Ils veulent enfin prouver qu'ils en sont capables. Et franchement, ce qu'on voit, c'est propre. Mais encore une fois, il faut continuer de gratter parce qu'on est derrière au score. Donc là, l'effort, il faut le maintenir. C'est pas évident face à des phases qui peuvent être toujours dangereux. On le sait. Et un Torsi, une nouvelle fois, engagé dans le mid sniper en main. Mais il n'y aura pas de décale. Ouais, la construction qui a été récupérée. La petite flash position pour s'assurer. C'est pas une infiltration de la part d'Europe. Mais Europe, ce qui est plutôt sage maintenant au niveau de ce monster qui va laisser son trio développé au niveau du A.
On joue bas pour les Moz sur ce bon petit tas parce qu'on a l'information sur la construction. Dans quelques instants, on devrait voir une rotation être effectuée. Et pourquoi pas un transit qui reprendrait de l'espace dans cette banane. Pour l'instant, tout l'espace est laissé à Kerrigan. Il se présente déjà au contact des toilettes. On va prendre le temps en effet. Un Kerrigan qui va aller vider le connecteur également en slow. Vas-y, les zones neutres qui ne sont pas contestées ici par la défense. Cet espace, on en profite. Alors, exertion sur le Senmag. Molo qui sera envoyé autour de la minute de jeu pour récupérer. On fait les choses bien. Molo, flash, on prend cette zone. On met une certaine pression supplémentaire, même si la défense ne mord pas l'hameçon. Ils vont rester à 3 en haut. C'était bien senti de la part de Fez. C'était le point d'information de la part des Moz. Il a été complètement gêné par cette Molo. Mais tu l'as dit, on n'a pas rota. On n'est pas tombé dans le panneau. On a compris que c'était un fake. On est resté à 3. Sur le A, Brolin qui va reprendre de l'espace comme on veut, hein, de l'information, et Brolin qui s'impose, c'est même mieux que de l'information qu'on trouve pour les Moz, c'est un avantage numérique. Est-ce que Kerrigan peut répondre? Il a repéré Jimpad derrière ce pilar, duel à venir entre les deux joueurs, évidemment, c'est Jimpad qui s'impose. Oh, c'est puissant, attention Xertion, hein. On a tout là-dessus côté Moz, on a absolument tout, Xertion dans le dos, alors attention à pas se rater non plus, à pas donner une fenêtre de tir à Brocky à Robs, ce fameux duo de clutcher iconique chez FaZe, même si pour le coup ça semble quand même très mal embarqué, on est maintenant sur un 1v4, 23 PV restants, bon planté oui, mais on n'aura pas le frag derrière, et Moz continue dans sa dynamique, dans sa remontada. Ah, ils ont l'air très très forts hein, dans les Moz, ils ont vraiment passé un cap en changeant de side. Maintenant attention pour les FaZe, encore une fois la bombe est plantée, encore une fois il va y avoir un achat. On n'est pas passé loin sur le round précédent de glisser. Celui-ci a été quand même bien mieux maîtrisé. On est en train de donner un nombre d'occasions aux FaZe d'aller chercher ce 12ème. On pourrait finir par glisser. Encore une fois, Jimpat en fixe. Hein. T'as pas forcément envie de croiser sa route. On l'a vu sur la POV de Kerrigan, c'est tellement rapide. Il joue derrière le pilier. Coup d'épaule, redécale, tête-corps, deux balles suffisent. 11-9 maintenant, plus que deux rounds, tu l'as dit, pour recoller au score. Même si effectivement FaZe rachète, et là ça peut toujours être dangereux. C'est cool, au niveau de la construction, pour permettre à Robs tranquillement s'installer dedans. Il avait été par... C'est qui avec lui? C'est Kerrigan, voilà. C'est Kerrigan qui est avec lui, on est en train d'attendre potentiellement une reprise d'information dessus qui pourrait sauter pour l'information. Et Kerrigan qui avait lâché un petit peu trop tôt sa ligne. Et on retrouve ce jeu à deux au niveau du B. Kerrigan qui fait avec la présence d'une extrémité au niveau du monster pour rendre Robs vraiment invisible. Pendant que Brocky a déjà pris le connecteur, on est bien encore dans le contrôle pour les FaZe. On sait que cette étape-là est souvent validée de leur part. D'ailleurs, c'est le finish qui pose beaucoup plus de questions. Le finish, oui, mais lequel? Est-ce qu'on parle du finlandais Jimpad? Si oui, il pourra avoir les réponses. Grosse minute de jeu restante et on pourrait effectivement tenter encore une fois de finir sur lui, sur son BPB. Alors un fumigène qui a été envoyé au préalable, changera pas la face du monde celui-ci, mais attention, Axel sur Molo, peut-être Flash aussi pour y aller en déclic, et la défense qui n'y croit pas, hein. On est plus que deux, on est plus que deux, encore une fois on va aller tester la capacité individuelle de Jimpat, attention on en fait déjà un premier, mais sera abattu, c'est Rob, c'est Kerrigan qui vont aller créer la... qui vont aller semer le trou laissant cette défense, pardon, Kerrigan qui enchaînera sur celui. Les têtes volent et le point est finalement trouvé par FaZe. Ah, on a manqué d'informations simplement pour les Moz. Et du coup quand on n'a pas d'informations sur cette carte là, il y a un timing naturel de rotation vers le bomb sita où on envoie le joueur banane ou le joueur long reprendre de l'information. Et c'est le timing qu'on choisit les FaZe pour pas pomber. On voit un Rob qui s'est avancé au contact de la charte, il y a tellement d'espace pour les exertions. Jimpat qui n'est pas en capacité de couvrir son teammate. Et Kerrigan évidemment qui conclut ce point avec ce 2 balles sur chute. Ah, il fallait bien que ça craque au bout d'un moment. 12-9, un save qui va être tenté. Brolin qui a été vu, tente de se défaire de rien. Il va même forcer le duel, tiens. Oh bah oui, Brolin, pourquoi pas. On y va à la confiance. Rein a battu, les armes sont conservées. Si on a une pause tactique à disposition d'un côté ou de l'autre, elle pourrait se comprendre. Peut-être plus pour Moz. En tout cas, très bon call hein, de la part de Kerrigan. On se souvient plusieurs fois depuis le début de ce tournoi. Il fait des choses extrêmement intéressantes. Là, ça marchait pas encore jusque-là. Là, c'est vraiment grâce à lui hein, que ce round est remporté. On a pu racheter largement pour les Moz. On a toujours le sniper sur Torzy. On est pleinement équipé. Et il faut tout de suite reprendre leur marche en avant. Ils peuvent pas se permettre de glisser une nouvelle fois. Sinon, on irait directement sur cette seconde carte. On le rappelle, nuque le pic des FaZe. Ah, là-dessus, ça pourrait vite tourner au vinaigre. Il faut plus de bataille. Il faut continuer de se battre. Attention, boost proposé à contre-temps. Torzy, est-ce qu'on repique sur une flash? Est-ce qu'on attend une flash? Non, c'est un timing. Oh, la ligne qui n'est pas prise finalement. Et le public qui va peut-être vendre la mèche là-dessus. La petite hache en cloche par contre est bonne. Moins 47 sur Europe, c'est déjà ça. On va vouloir se battre une nouvelle fois dans la construction, en tout cas on pourrait, on a un starter à 4 au niveau de ce B. On pourrait tenter de venir se battre, en général quand on a un starter aussi fort sur la zone, c'est pour vraiment jouer cette construction, ne pas se laisser manger, exertion justement
qui vient attraper un rope, celle qui est rentrée dans les derniers instants dans le fumigène. Et ça lui a certainement coûté ce duel. Oh, Kerrigan qui reprend attention à lui. Kerrigan attrapé par Xertion. Et c'est pas la première fois, hein, Xertion qui arrive à nous mettre des doublés, voire triplés. Rappelez-vous sur le BPA, maintenant c'est en B au niveau de la construit. Ça fait beaucoup de bien, mais il reste encore Brocky, Rain et Frozen. Et Brocky continue à s'avancer. On espère, hein, qu'un joueur Moz a bien donné un kill facile, redonner un petit peu d'espoir aux fesses dans ce round. Est-ce qu'on va jouer jusqu'au bout ce point? Parce qu'il n'y a pas une volonté de save, je pense pas, parce qu'on a quand même de l'excédent pour y racheter pour la part des joueurs. On a un gros loss bonus. Et on hésite, hein, quand même, je pense qu'on va sauvegarder. Oui. On ne se sent pas en capacité de forcer la décision sur ce round. Premier save Théro depuis le début. C'est vrai qu'en général, on allait jusqu'à l'échec, jusqu'à la bataille finale. Ici, on est sur un 12-9 qui va être converti en 12-10. Il y a une question de gestion économique. Ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup dans un exercice qui serait trop complexe à aller chercher. Et puis Maz, bah, qui continue finalement de dire coucou, on existe, on s'offre un sursis supplémentaire. La grande question est, vont-ils chercher l'overtime? Il leur reste encore deux rounds à mettre. Là, c'est vraiment dans les duels, hein, qu'ils ont fait la différence avec Xertion sur ce point. Il y avait un duel qui était assez 50-50 face à un Ross, donc il a quand même perdu 50 HP sur la HE dans le corner. Et là, il y a cette présence de Kerrigan sur une zone où il n'est pas supposé être là. En général, quand on a tué l'extrémité, on peut aller off le monster sans qu'il y ait un joueur qui vienne le hold. Kerrigan qui avait clairement l'avantage en ce duel, et c'est pourtant Xertion qui s'impose. Kerrigan doit remporter ce duel, hein. C'est clairement lui qui a l'avantage de la décale. Et ça part dans la tête directement pour Xertion, et ce double kill qui aura scellé l'issue du point. Et Posta qui est demandé. Sur ce 12-10, triple arme conservée par FaZe. La dernière pause d'ailleurs du côté de Kerrigan et de ses mates. On a vu un Neo, hein, qui donne ses mots, ses directives, Sikran de l'autre côté. Qui lui aussi, hein, était initialement coach dans l'académie, avant de se retrouver coach du roster principal. De l'autre côté, on a un Kerrigan qui acquiesce. Est-ce qu'ils ont la solution finale? On va peut-être essayer de retrouver pareil un timing de rotation naturel de la part des Moz. On voit qu'en faut exécuter, terminer sur les bombes sites, c'est assez compliqué. En tout cas, si le bombe site est bien défendu, on va essayer soit de jouer assez rapidement sur un bombe site où on sait qu'ils vont être faibles, soit essayer de retrouver le même timing que ce qu'ils ont fait sur ce pop en B. En tout cas, on n'arrive pas à sanctionner, hein, les Moz sur le contrôle carte. L'achat reste convaincant. Pas de sniper pour Brocky. Mais des rifles pour tout le monde, pas mal d'utilitaires, il y a de quoi faire. Et on est revenu à deux petits points pour ces Moz. On rappelle qu'on était sur un 8-3 initialement. Un 8-3, on envisageait déjà le 9-3, mais finalement Mouse arrive à sauver un petit peu les meubles sur un 8-4. Et là, on est maintenant sur un 12-10. Il y a de quoi faire. Petit travail protocolaire proposé ici par FaZe sur Molo Ballon, petit hachon. On va chercher la zone ensemble. Et des Mouse qui n'ont pas envie de prendre trop de risques pour l'instant. À voir dans les prochaines secondes si on n'aurait pas des contacts entre la banane et les toilettes, et notamment Torzy, un sniper en main, il peut faire la diff. Ouais, Kerrigan qui met des signes de contrôle pour l'instant, mais il est seul à mettre du stuff, hein. On veut vraiment pas montrer qu'il y a la prise du trou sur la zone. Ça pourrait être simplement une extrémité qui fait que l'activité. L'idée, c'est de pouvoir se rapprocher tranquillement de ces toilettes, et pourquoi pas venir esseler un Brolan dans un duel au contact, le logo qui va être clear. Et pas de volonté de reprendre l'information, hein. Pour les Moz, on compte vraiment sur Brolan dans son coin. J'ai du mal à imaginer que les fesses ne viendraient pas le clear. Voilà, la petite flash pick. Pas attention. De volonté de prendre l'info. Oui, ça aurait pu faire mal là-dessus. Torzy qui a vu, hein, et qui a compris sur la montée du joueur qu'il a été boosté, il n'est pas monté tout seul. Il sait donc qu'il y a au moins une double présence ici. 30 secondes de jeu restante, on est en train de se mettre en place. Il y a une rota qui arrive un peu tardive, attention à Torzy qui tire à côté. L'exec est envoyé, il va falloir tenir pour Brolan. Et Rob, c'est un petit peu naïf qui n'a pas réussi à le check là-dessus. Brolan en fait déjà le premier enchaînement trouvé maintenant avec Sue. On arrive à tenir du côté de la défense, mais la réponse de Rain et de Frozen, accélération sur le BP 3 contre 3. Il faut y planter cette bombe. La reprise dans le dos, mais Frozen satellite Xertion, et c'est maintenant 3 contre 2. Rain qui a la position forte, hein, en contact de ce fumigène, ça va bientôt fait. Brocky qui est prêt à décaler sur son contact. On a récupéré tout l'espace au niveau des toilettes. On va comprendre que les deux joueurs sont présents de ce côté-là de la carte. La première décale, J-Pad qui s'impose pas pour l'instant. Est-ce que Brocky peut pointer une bonne décale? Ça n'arrive pas. On joue entre les petits coups d'épaule entre les deux joueurs. Brocky la décale qui s'impose sur J-Pad. On va s'arrêter là. Ils vont le faire, les FaZe. Ils vont remporter cette première carte. On va aller sur leur pic. Et c'est confirmé 1-0 pour les FaZe. Reset et la remontée des Moz n'aura pas suffi pour s'imposer. Ah, c'était dur, ils ont tenté, mais là, malheureusement, c'est FaZe qui va garder le statut de grand frère. Des Mouse qui n'ont pas réussi à les faire tomber. Ce start qui n'était pas évident.
On met 4 points, ouais, pourquoi pas, mais on a senti tout du long des phases, et notamment Broky à l'indive, hein, qui directement a tapé très fort, hein, Karrigan qui vient ici saluer, jouer avec le public. Ça manquait un petit peu, on sent que ça se joue à pas grand chose, malheureusement le retard accumulé dès le début, on a eu du mal à le combler sur la fin, à le rattraper. Ah, ils sont partis beaucoup trop loin, et évidemment ce JR perdu a aussi été très compliqué, hein. Il y a eu le 8-3, il y a aussi eu le 11-4 derrière. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, finalement c'est fait, ce qu'ils ont inscrit deux rounds armés sur cette terreau, et ça aura suffi à remporter cette carte. A voir maintenant ce qu'il en sera sur la seconde. Le